Zao, merci de nous accorder un petit peu de temps ce soir. Alors, on va commencer par parler de l'association Enfants Stars et Match. Cette journée, qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Cette journée, elle représente une journée d'un don de soi, en fait, au-delà de l'artistique. C'est un don de soi, un don de partager son art gratuitement et essayer à travers le métier qu'on fait d'être utile et essayer de faire du bien aux autres et de se laisser de côté. Voilà, et puis d'essayer de mettre notre petite pierre à l'édifice pour que les choses s'améliorent. Voilà. Alors, le mot que je dis depuis ce matin, c'est le mot plaisir, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que vous prenez du plaisir à faire ça, vous donnez du plaisir, ça se voit dès qu'on sort dehors, et en même temps, vous prenez aussi du plaisir à être là en loge parce que vous voyez des potes, vous voyez des gens que vous n'avez pas vus forcément depuis longtemps. C'est vrai que on se connaît un peu tous. Mais c'est plutôt le plaisir de voir des potes, et évidemment artistes, mais en faisant quelque chose de voilà, en sortant de ce qu'on fait d'habitude, des strass et paillettes, etc. Et puis de voir tout simplement des enfants qui s'amusent et qui, avec juste en vous voyant, qui pour eux, c'est un rêve déjà de vous voir en tant qu'artiste devant eux et qui se disent tout est possible. Je me sens déjà mieux et qui oublie le temps d'un instant, on va dire, leur drame ou le poids de leur maladie ou le poids de leurs problèmes alors qu'ils devraient pas en avoir, ils sont tout jeunes. Mais c'est vrai que c'est un moment de plaisir, moi en tout cas personnel pour moi, parce qu'ils sont marrants, c'est ça qui est cool, de voir des enfants se battre et combattre et résister. C'est vrai que bon, on part, on se dit bon bah le temps est grave, et le temps n'est pas grave, tu vois qu'ils sont plus courageux que nous, ils ont beaucoup d'humour, ils font beaucoup d'autodérision, et en fait on se dit c'est ça la vie, en fait c'est comme ça qu'on tient le coup, c'est en essayant de garder le sourire tout le temps, voilà. Alors on va revenir un peu sur toi maintenant. Moi, pour te dire vrai, en fait, là, j'ai pas fait d'émission pendant un an, j'étais pas là, j'étais à l'étranger. Donc complètement coupé de la France. Et là, mon retour en France. Alors, j'étais en Allemagne et en Bulgarie. D'accord. Complètement coupé de la France et j'ai vraiment joué le jeu, je me suis coupé. Et là, je reviens. Je te connaissais bien sûr avant. Le nouvel album, les titres, les clips, Zao, ça cartonne. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir, d'autant plus que tu n'étais pas là. Bah écoute, ça me fait plaisir. Voilà les vrais retours des... Moi, cet album Contagieuse, je l'ai appelé comme ça parce, dans le but de toucher les autres, justement parce que moi-même je suis touchée par ce qui m'entoure, je suis touchée par la vie, je suis touchée par les enfants, je suis touchée par partout, en fait tout ce qui m'émeut à l'intérieur va créer un thème musical, va faire que je vais me livrer sur un morceau et le transmettre à mon tour, et donc ça me fait plaisir que ça soit ressenti de l'autre côté comme ça. Alors, pendant que j'étais pas là aussi, t'as commencé une tournée en avril. Et cette tournée, elle est pas prête de s'arrêter. Comment ça se passe ? Bah, ça se passe super bien. La tournée a été complète jusqu'à présent. On est super contents, on est sur la route. On défend l'album sur scène. On prend beaucoup de plaisir. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens connaissent tout l'album par cœur. Mais quand je dis tout l'album par cœur, mais vraiment, j'entends à peine ma voix quand je chante et c'est incroyable, c'est magnifique et c'est le moment où on dit merci mon Dieu, vraiment, on a beaucoup de gratitude, on se dit j'ai énormément de chance, et au final les mêmes thèmes qui ont été générés par des fois de la douleur ou de la joie ou de la souffrance, on se dit ça valait la peine, c'est pas grave parce que ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est un peu le thème de toutes les associations, on va dire, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort, donc faut se battre. Et puis, rien n'arrive pour rien, donc il y a une récompense derrière et voilà, on n'est pas seul en fait, on n'est pas seul, voilà. Alors en parlant de récompense, il y a la récompense du public, mais aussi les récompenses que tu peux avoir. Tu en as eu déjà des Energy Music Awards et d'autres. Et je travaille aussi pour Energy Music Awards, je suis souvent présent là-bas, peut-être qu'on va se revoir bientôt. Je l'espère, vraiment je l'espère. Donc si on se recroise bientôt, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de voter. Eh ben merci en tout cas de nous avoir reçus ici et puis ben je te souhaite plein de bonheur pour la suite encore. Merci, que du bonheur en tout cas pour tout le monde. J'ai vu sur ma route plein de paysages avec des mots je peins.
des images. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots, je peins des visages. J'ai vu sur ma route.